Il existe encore un moyen d'utiliser sa puissance. Oh bah il est sympa, Bah tu connais pas les... Tu connais pas les dragons, ils rentrent tous comme ça. Ah. Ils s'en servent comme... comme lit. Et voilà. Mais c'est l'orbe du dragon. Tu vas affronter Uchiwaka. Ah bah oui. Mais c'est quoi ça? Tout emmêlé dans le muscle de cet estomac tout mou. Ça ressemble à une boule de verre ou un truc dans le genre. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire coupe coupe. Regardez, hop. Bah, ça veut pas bouger, ce dragon des mers veut vraiment pas lâcher ce truc. Ça doit être sacrément important. On dirait une boule de verre. Attends, je me demande si... Oui, tu te demandes si quoi, Issun? Bah, je me demande si c'est pas le... Elle est toute entortillée dans les fibres, ce dragon veut vraiment pas la lâcher. Ça doit être sacrément important. Et tu veux me dire un truc? Enfin, pourquoi tu sautilles comme ça? Bah, c'est pour eux, j'examine et je te dis une phrase. Genre, il veut vraiment pas la lâcher quand même, hein. Oui, et c'est censé me dire quoi? Parce que je veux dire, c'est la boule qu'on cherche, Issun. Il y a un chemin à gauche. Ah oh ouais, un autre chemin. Wow. Alors ça veut dire que tu vas ramener un truc. ah non, même pas. Ah, une impasse. Je sais pas où on est, mais j'aime pas l'aspect de ce liquide rouge. Il nous dirigerait en moins de deux si on tombait dedans. Ah non, il dirigeait... Ah oui, ouais, bon, bah, dirige... Attends. Ouais. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fiches? Ce liquide rouge pleut à présent. Que va-t-il se passer si la masse de chair se dissout? Eh, hey, moi aussi je demande à voir. On va détruire l'estomac. Allez, hop! Bien joué! Tu lui as fait des maux d'estomac. C'est dangereux. Ne faites pas ça chez vous. Oui, bon. Vous pouvez pas? Ah bah. Actuellement, si tu manges plein de bêtises, ça marche. L'endroit est submergé de ce liquide rouge poisseux. On est venu pour l'orbe du dragon. Je peux faire des nénuphars? Oui. Oui, parce que c'est comme de l'eau. Ils vont mourir, les nénuphars. Non, t'inquiète. Les nénuphars ne sont pas digérés, ça va. Mais il y a quand même un truc autour d'eux. Quoique, oui, si ça se trouve, en fait, ils fondent. J'imagine que c'est ça. Ils doivent fondre. Donc bon, j'ai pas l'impression qu'il diminue. Aïe! Ah, mais ça va, tu peux aller dedans, en fait. Ouais, mais je perds de la vie. Ah, ouais. Ah, ça y est, il s'est dissous. Ah non, c'est parce que j'en ai fait. Mais non, c'est parce que tu peux en faire que 3 d'affilée. Enfin... Qu'il n'y en avoir que 3 à... Je peins des grenouilles. Bon, c'est vert, c'est comme... C'est tout comme... Vous voulez pas me les mettre mieux, là, parce que... Mais ça va, t'as le double saut, tu gères, non? Allez. Voilà, tu vas pouvoir le... Ah, ça marche. On dirait que ça se reforme. Ah. Lui, il veut pas partir. C'est bon maintenant? Et voilà, bravo! Super! Ou pas? Tu peux le contrôler maintenant! Tu le purifies même! Tu purifies son estomac, c'est incroyable! C'est incroyable! L'or purificatrice, on l'appelle dans le milieu. Vous avez obtenu l'orbe du dragon. Elle a un sacré inventaire aussi, Yama. Joli travail, Yama! On a enfin récupéré cette orbe du dragon! On va pouvoir briser la malédiction sur l'île d'Oni. Quand Iniko aura situé l'île, on ira avec la boule. La forteresse ennemie sera complètement à découvert. Boing, boing, boing. Ah, cette orbe nous a vraiment donné du fil à retordre. Je me demande si le dragon va bien. Non! Allons-y, Yama. Vu qu'on a l'orbe, pas la peine de s'éterniser ici. De toute façon, on a déjà récupéré tous les coffres, donc c'est bon. Pas si vite! Voilà, Uchiwaka arrive. Mais non. Ah bah, un petit peu. Zut! Ce sont les esprits vengeurs des gens que le dragon a mangés! Non, attends. Ce ne sont pas des esprits humains.
Cette couleur bizarre, ça ne peut être que du feu de renard. Wow. Allez hop. Ça c'est la technique de du mouton. Et voici. Voici les renards. Autrement appelé les kitsune. Pire ennemi d'Amaterasu. Alors, techniquement, elle a donné à manger à des renards, non? Oui, mais eux, ils ont... Ah, c'est ça, ils ont pas eu leur nourriture. Ah ouais, bah du coup, voilà. Mais tu sais que les gens, ils peuvent être très méchants quand ils ont pas mangé. Alors lui, il a perdu tous ses points de vie grâce à la technique de la lame de lumière. La technique de la lame de lumière, surpuissant. Super bien, moi. Oh, tu l'as tranché, lui, il t'a donné les crocs du démon, tiens. Bah oui, allez hop, tu m'as tranché les canines devant. Ah, mais ça ne s'arrête pas. Non, ça fait juste des parades. Ouais, que t'étais dans un RPG. Pourquoi est-ce que je fonce comme ça? Vas-y, vas-y, tu peux le découper là. Tiens, oh, plus de points de vie. Prends ça. Je vois rien, mais c'est pas grave. L'autre ça va, il t'attaque plus. Est-ce que c'est trop tôt? Faut que j'attende qu'il soit planté, peut-être. Ah, c'était trop tard. Il est jamais trop tard. Ah non. Bah, je croyais que t'avais bien fait une ligne et tout, mais visiblement non. Je sais pas ce que t'as découpé, mais c'était pas lui. Effectivement. Mais c'est toujours pas lui. C'est peut-être les esprits autour. Allez, au suivant! Regarde-les, ils friment. Oulala, ils absorbent. Ah, ils absorbent ton encre! Pas grave, moi je l'attaque. Et l'autre il continue en mode oh là là, c'est bon, j'aime d'or l'encre! Je peux pas arrêter mes combos, moi! Pas besoin d'encre! Non, mon combo! Non, ça va! À cause de vous, j'aurai pas de crocs. Ah si, c'est bon. Super. Rien à faire à face. Genre... Je veux pas perdre mon combo. Quoi? Tu quoi? Non, moi, j'ai plus de... Pas grave. Ah, ça a marché quand même. Mais oui. Je pensais que quand si tu donnais le dernier coup... Oh, j'ai perdu mon combo. Ce serait bien que je le frappe. Tu sais que si tu veux faire des combos, vaut mieux pas jouer avec cette arme, du coup. Oui, mais elle est équipée, je fais avec. Waouh, ils ont donné plein d'argent. En même temps, j'en ai affronté plein. Quelle générosité de la part des renards de nous avoir donné autant d'argent. Ce ne sont pas des renards, ce sont des kitsune. Tu nous as battus aujourd'hui, mais on sera plus fort demain. Tiens, prends notre objet flûte de pan. Voici là, t'as récupéré la peau du renard. Voilà. Ah, le fameux. Bah oui, tu as tué des renards, pas fleur peau. Ah, c'est quoi ce truc? C'est illégal, ça ressemble à un amas de tubes en bambou. Et je parie que c'est la peau du renard que recherche la madame. Tu sais, cette soi-disante arme ultime contre le roi démon. Ah, du coup, en fait... Il avait mangé des renards, ça se digérait pas bien, tu vois. Tu aurais dû tirer sur l'orbe plus délicatement. Bah oui, mais c'est pas venu du premier coup. J'ai fait ce que j'ai pu. Je suis trop jeune pour finir digérer. Ou même diriger. Fichons le camp d'ici. Vas-y, maintenant c'est la phase là. C'est la phase de d'escape. Je m'attendais à. Comment ça s'appelle? Ah, mais oui, t'as arrêter 3... la vidéo. Bah ouais, mais la phase d'escape. On va fuir quand même. Mais si tu veux, il y avait un point de sauvegarde. Je me demande si tu peux sauvegarder en mode bon. La phase d'escape, je la garde pour plus tard. Bah, il était juste là en plus. Là. Sauvegardons. Et arrête un peu de t'amuser, tu veux bien? On a des choses plus importantes, le chrono continue de passer pendant que je parle d'ailleurs. Oh, Issune. T'abuses. Eh, mais ces trucs, on peut les... Ah ah, ça donne des fruits. Bah oui, il a mangé des fruits quand même. C'est 5 fruits et légumes par jour. Il connaît le dragon. Mm-hmm. Tant mieux. J'avais pas pris ce coffre. Tu l'as pas ouvert, lui? Ah ouais. Bah non. Plus que 2 minutes avant de se faire digérer. Non. Pff,
ça a marché. Ah, mais je peux pas éviter. Non. Oh purée, ils t'ont fait mal les boulettes. Ils m'ont surtout fait peur de me faire tomber du pilier, donc Bah, il te reste plus que 2 minutes. Parviendras-tu à la fin qui est juste devant toi? Je me fais couper la parole. Désolé. C'est pas grave, je disais rien d'important. Mais c'était pas très gentil. Bah, et moi j'étais en train de parler. Tout le monde était en train de parler. Je vois. Où est la sortie? Ah, il se noie du coup. Ah, c'est bien, on va aller où? Bah oui, mais aussi il était en train de dormir tranquillement. Toi, tu lui donnes des coups dans les. Tu lui donnes des coups. Il a pas l'air bien. Tu lui donnes des coups dans l'estomac, le pauvre aussi. Le dragon des mers, il est mort. Ah bah, tu m'étonnes. Le pauvre. Eh, mais c'est comme ça, hein. On fait pas des trous dans les estomacs des gens. Qu'est-ce qu'on doit faire à présent? On a l'orbe du dragon, mais on n'a plus de dragon. Même si Himiko met tous ses efforts à situer l'île Oni, on n'a plus de dragon. On ne pourra plus jamais briser la malédiction. Et franchement, c'est pas très sympa d'avoir tué le dragon des mers. Mais quelque chose approche, mais je ne sais pas quoi. Oh. Amaterasu, déesse du soleil et origine du monde, j'ai bien peur qu'il ne me reste plus de temps pour parler. Mais je dois vous remercier. Mercier, t'es qui d'abord? Ah, je suis le roi Wanatsumi. Et j'ai une moustache. Le 27e roi des dragoniens. Le roi des dragoniens, hein. Voilà. Si vous l'avez pas compris. Le roi des dragoniens? Bah alors, c'était toi le dragon depuis tout ce temps? Oui. J'étais le dragon des mers, dieu des océans, seigneur des profondeurs, pourfendeur des abysses, destructeur de planètes. Comme vous le savez, de mauvais présages annoncent l'arrivée d'une grande discorde dans tout le Nippon. Même les dragoniens ont souffert du joug des forces des ténèbres. Ouais, vous avez déjà vu cette image, mais je vous la remets quand même. Elles ont essayé d'empêcher le pouvoir de briser la barrière protégeant l'île Oni. J'ai mené le combat contre le roi démon et consumé l'instrument noir qu'il possédait. C'était pas très bon, mais celui-ci s'est logé dans mon estomac, me poussant à la folie. L'instrument du roi démon, tu veux dire ce truc? Celui-là, là, que j'ai dans ma poche, là. Ah ouais, tiens. Oh, ne me montre pas ça. Oui, la peau du renard. Sans lui, les pouvoirs du roi démon sont limités. À présent, tous les démons font leur possible pour le localiser. Ouais, ils sont pas très malins, ceux que j'ai avalés, parce que bon... Je vois. Je peux reposer en paix, sachant qu'il est entre vos mains. Je vous demande de donner l'orbe du dragon à ma femme. C'est le cœur du dragon. Il apportera la paix et la tranquillité dans l'espace. Hélas, ma fin est proche. Beaucoup d'innocents ont péri dans ma démence. Je prie pour que leurs âmes reposent dans les profondeurs des ténèbres aquatiques, ces eaux bleues que le peuple de Hiroshima aime tant. Adieu, Amaterasu. Je prierai pour votre réussite. T'as compris, Isun? On garde la peau du renard. On le donne pas. Ah bah, c'est pas de ma faute si je le donne. Mais ici, on y veut le donner à Himiko. Mais Himiko, elle a jamais demandé la peau du renard, si? Je crois non. Pas. Et pas, on ne sait pas. Et super. Voilà, c'est fini. Ah, mais regardez qui voilà, mais comment elle est venue? Eh ben, j'ai plongé, j'ai nagé, il y avait un gros tourbillon, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, mais... Eh ben, quand même! Moi, je savais pas, je me suis demandé, quand même! Oh là là! J'ai vu le dragon des mers se débattre furieusement sur le rivage. Alors, j'ai foncé jusqu'au palais du dragon, au cas où. Ah, t'inquiète pas pour nous, rien n'arrêtera ce vieux Hama, ni le feu, ni l'eau, ni la glace, ni la vente, ni les ténèbres. Qu'est-il arrivé au dragon des mers?
A-t-il révélé le secret pour accéder à l'île Oni? Eh, hey, c'est pas sympa de me couper là, j'étais lancé poupée. Bref, le dragon des mers, il n'ayait pas le vent, pas... Il s'est transformé en dragon pour protéger le palais du dragon. Il y a beaucoup trop de fois dragon dans cette phrase. Et regarde ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé de la mais peau. Mais non, il s'une. Il a même pris cette peau du renard. Alors chef, il est fort quand même. Tu as trouvé la peau du renard? Bah ouais, on les a affrontés, c'est pour ça. Et tu le cherchais aussi, hein, ma jolie. Là, c'est la soi-disant arme ultime contre les démons. Non. Hé, hey, une minute. Qu'est-ce que t'avais dit sur la peau du renard, déjà? Himiko ne l'avait pas fait venir d'un pays étranger? Et pourquoi on a cherché sur ce stupide bateau s'il y était pas? Tu m'en veux encore de vous avoir mis en danger? Je suis désolée, mais l'heure est cruciale. Donne-moi la peau du renard, vite! Patouche, occupe-toi plutôt de tes lolos, poupée! Si les démons cherchent cette peau à tout prix, alors celui qui le possède deviendra le maître du monde! C'est à moi. Ah non, Amma, elle lui a donné. Amaterasu? Amma, j'espère que tu sais ce que tu fais, là. Il émet à la fois une lumière sinistre et attirante. Grâce à lui, mes pouvoirs sacrés atteindront leurs limites. Je pourrai détruire les démons jusqu'au dernier. Protéger la reine Himiko avec ce grand pouvoir. Voilà mon devoir. Ne t'inquiète pas, Amaterasu. Je dois vite rentrer en ville à présent. Je dois honorer ma promesse avec ma propre vie. Et elle va remonter en nageant. Avec ta vie, il va pas te faire tuer non plus. Bah, elle est partie. Je peux toujours pas bouger. Hé, hey, Amma, reste pas planté là, on doit rapporter cette orbe du dragon qu'on a pris sur le dragon des mers Otohime. Il faut plus compter sur le pouvoir du dragon des mers. Mais les dragoniens considèrent l'orbe du dragon comme leur trésor, on ferait mieux de leur rendre. Oui, d'accord, mais je voulais pas rester planté là. Mais non, mais Issun, on voulait sauvegarder là. Mais oui, Issun. Bon, bah, je vais aller voir la reine Otohime. Hein. La partie, elle va durer 45 ans. Mais la couper en deux, c'est pas grave. Oh, je ne sais pas. Je suis de retour, reine des poissons. Ah, quel soulagement de voir que vous êtes là. Juste ça. Moi, hein. Amma est pas revenue, non. Et l'orbe du dragon? Ah, bah, je l'ai trouvé, il est là. Hop, boing, boing. Ah, super, il est bien ici. Tu as réussi à récupérer l'orbe dans le corps du dragon? Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude. À présent que l'orbe est en ma possession, je peux l'utiliser pour contrôler le pouvoir du dragon et briser la barrière de l'île Oni. À propos du dragon, il a coulé au fond de la mer quand on a pris l'orbe, il a trépassé. Est-ce que ça veut dire que le roi des dragons, il est mort? Ouais, je veux dire, non, mais je veux, est-ce que le roi des dragoniens, il est vraiment ton... Tu as deviné juste. Ah, mais allez, le dragon des mers n'était autre que le roi Wadatsumi, mon mari. Il a exécuté l'ancien rite dragonien de la mutation afin de combattre les forces du mal. Gravement blessé, il est entré dans une rage incontrôlable. Si le roi meurt, alors l'ordre de succession doit être respecté. L'orbe du dragon devait être récupéré à tout prix. Hélas, cela a coûté la vie de notre monarque. Issun, comme je l'ai déjà dit, les dragoniens sont prêts à tous les sacrifices. Nous ne devons pas hésiter. Ok. Amaterasu, qu'en est-il de l'instrument noir du roi démon? Tu l'as sûrement trouvé, logé dans l'estomac du dragon des mers. Ah, tu parles de la peau du renard! Nous l'avons donnée à la servante de la reine Himiko. Elle a parlé de l'utiliser contre les démons. La servante de la reine Himiko?
Il est vrai que l'instrument noir a un pouvoir immense. Mais les démons font leur possible pour le récupérer. J'espère sincèrement que cette servante est digne de confiance. Ah bah... Eh bah... Tout espoir serait perdu si cet objet tombait entre de mauvaises mains. Oh non, il brille. Mince, c'est quoi ce truc? Une révélation, peut-être. Le roi Wadatsumi veut peut-être nous montrer quelque chose. Regardez dans la boule de cristal, ici. Nous voyons... La petite dame qui court. Qui se fait poursuivre. Oh, oh. Elle est incroyable, sa manière de courir aussi. C'est un démon renard qui la poursuit. Il est où, mon apôtre? Sais-tu ce que signifie cette vision? Allez, Ama, on n'a pas le temps, là! Où vas-tu, Amaterasu? Pas le temps de t'expliquer, mon petite crevette rose! On doit filer au temple Ankoku, vite! Ah non, pas le temple Ankoku! Souviens-toi, Amaterasu, tout espoir n'est pas perdu! J'attendrai ici la révélation de la reine Himiko! Nous nous retrouverons à l'endroit où l'île Oni apparaîtra! Que le dieu de la mer te protège! Mais il est mort! D'ailleurs... On va me laisser sauvegarder? Oui, bah là, il y a un point de sauvegarde juste à la sortie. Ah oui, mais bon, ici, la dernière fois que j'ai vu un point de sauvegarde, il m'a dit... C'est pas le moment, là! Mais non, mais là, c'est bon. T'es pas en train de courir pour ta vie, c'est bon. Ah, super, je peux sauvegarder. Bien, et bien, comme tout va mal, c'est le moment de s'arrêter pour aujourd'hui. Regarde, t'as pas ouvert ces coffres. Non, mais j'ai ouvert aucun coffre dans le jardin, en fait. Parce que sur le coup, je croyais que c'était de la décoration. Bref, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, et à bientôt pour la prochaine partie. Au revoir tout le monde.